Ma société qui s'appelle Asclepios France commercialise deux traitements qui vont améliorer la santé publique au niveau de l'Afrique. Premièrement, nous avons un traitement qui va réduire la prolifération microbienne, qui va réduire justement les maladies nosocomiales au niveau des hôpitaux. Donc ce traitement est un traitement qui est à la base liquide et qui va sécher. À partir du moment où il va sécher, il va être stable au niveau de la surface manuportée, c'est-à-dire touchée en contact avec les mains. À partir de là, grâce à la lumière naturelle, grâce à la lumière artificielle, ce traitement va être activé et va pouvoir détruire les virus et les bactéries. Ce traitement est stable sur 12 mois. On peut le mettre à l'accueil, on peut le mettre sur les blocs opératoires, dans des services où il y a énormément de besoins de désinfection, comme le service de pédiatrie, comme le service d'oncologie, ou comme le service de réanimation. Mon second traitement aussi est un traitement qui va dépolluer les contaminants chimiques au niveau de l'air. Donc pareil, ce traitement est à la base liquide. On va le placer au plafond, on va le fixer au plafond. Il va sécher au bout d'une heure et à partir de là, il va être activé par la lumière naturelle ou artificielle et il va pouvoir aussi détruire tous les composés organiques volatiles, c'est-à-dire le formol, le benzène, le toluène, et ça va purifier l'air. Et aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur est un sujet mondial au vu de tout ce qui se passe.